Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Chroma Squad, le tactical RPG de la chaîne. Nous y allons, nous load the game. C'est parti avec le Mighty Morphing Playroom, toujours. Avec ce bon vieux raid qui n'est en fait que White. Et donc, nous avions fait certaines choses. Nous avons une lettre. Voyons voir, fan message. Eh, quoi de neuf les bonus rangers? Si je pouvais rejoindre notre équipe, est-ce que je pourrais choisir ma propre couleur? Toutes les couleurs. Tout ce que tu veux. Je veux vous rejoindre. Génial. Génial. Toujours sympa ça. On a un petit peu d'argent. Est-ce qu'on a des choses intéressantes à aller acheter? Ah oui, oui, bon, on n'a pas assez. Bon, bah écoutez, pas grave. Il faudra qu'on achète les armes ensuite. Au niveau du craft, tiens, est-ce qu'on peut, genre, recycler des choses? Recycler ça, pourquoi pas? Recycler ça aussi, hop, parfait. Niveau matériaux, on a quelques petits trucs sympas. Niveau armes, on a un gun. Niveau 2... Alors j'aimerais bien voir si voilà, on a le rôle du lead, le techie, l'assist, le scout, et ici l'assaut. Donc ça faudra voir pour pouvoir se les faire, chers amis. Hop. Mais pour l'instant, nous allons tout simplement... Oh. Real Evil for the Horde. Monster Portals, ouh. 3000. Ok, bah on va se faire ça, vous savez quoi? Il y a un fight de mecha. Ah, il y aura un guest. Ah bah voilà, c'est ça qu'on va faire, chers amis. Hop, c'est parti. On y va. Alors. Écoutez tout le monde, apparemment le docteur Mia n'était pas en train de bluffer. Ne bluffez pas. Il est bien allé bien aller devant. On va bien aller devant les tribunaux. Oh la vache. Il a marqué sur Face Album, donc Facebook, qu'on était une copie conforme de son studio, donc une copie carbone, une copie... bon, une pâle copie quoi j'imagine, un truc comme ça, une copie parfaite ou une pâle copie. C'est tellement la honte. Il sait rien du tout à propos de notre show, notre émission, et il veut juste de la monnaie, de l'argent facile. Ça pourrait être une bonne idée de l'enregistrer. Donc je vais amener des caméras. Comme un documentaire ou quelque chose comme ça. On doit voir le juge dans quelques temps. Donc on devrait peut-être se préparer à y aller. Vu la distance qu'il y a, on pourrait presque y aller en marchant. Bon, ok, on y va. What? C'est pas censé être un épisode? Alors. Cette match a pris plus longtemps que ce que je pensais. Mes calculs étaient mauvais. Vraiment dommage que t'aies eu à vendre ta voiture, Green. Pourquoi on ferait pas un petit jogging pour y aller? Le bâtiment est juste là. Ouh, mais c'est qu'il est stylé! Salut les gens, attendez un petit peu. Qui es-tu? Oh, j'ai beaucoup de noms. Et on n'en connaît pas un seul. Appelez-moi G. Milton. Enfin, J. Milton, G. Milton, G. Faites attention où je vous... prenez garde où je vous enverrai de...
de où je vous détruirai comme des loups bouffent des moutons. Attends, quoi? Qui c'est qui sont les moutons? Les loups, pardon. Moi et quelques-uns de mes amis. Oh, qu'il est moche. Oh, qu'ils sont moches. Oh, qu'ils sont moches. What's up, bro? C'est dingue, on est dans le milieu de la route. Vous travaillez pour le docteur Mia? On a un employé commun actuellement. Un employeur commun actuellement. Pensez juste que c'est comme un épisode spécial pour nos deux shows. Heureusement que j'ai amené les caméras alors. ça semble être plus marrant que les tribunaux. Wouhou! Là le guest. Tu es chiant, Jimilton, comme Dr. Mia. J'en ai assez de regarder. Arrête d'emmerder les gens juste parce que tu peux pas faire quelque chose de bien par toi-même. Laisse-les faire leurs grandes choses. C'est très bizarre la façon dont c'est dit. Ouais, je suis pas tout à fait sûr de qui tu es, mais je t'aime bien. Alors on se rencontre encore, dragon éveillé. Le champion de la justice est de retour. Et plus entraîné que jamais. Donc je pense que ça va être aussi notre champion de la justice. Vous voyez, je pense que ça va peut-être être notre avocat, ça se trouve. Tu es vaniteux. C'est définitivement mon péché favori. Tout ça doit être arrêté maintenant. This bullying, oui. Le dragon veillé, quel gars super cool. Ça y est, Rose qui a déjà des vues dessus. Jimilton, prépare-toi. Finishing move, et 3 ennemis en un seul tour. Ah la vache, j'ai pas réussi à le tuer. Hop. Lui je l'ai eu. Comme les vrais Power Rangers, ça passe ensemble au premier tour. Ah, je peux le contrôler aussi. Justice Strike. Pouf. Oh, il est classe. Je le veux celui-là. Ah, est-ce que ce serait le blanc? Peut-être. On sait pas. Il est stylé lui. Here. Ah, ça le fait reculer, j'avais oublié. All hail Marcus. Appelez, on va envoyer le noir par là. C'est bon. J'ai pensé que j'ai pas regardé les autres trucs des autres parties. Ça va peut-être être mauvais pour moi, ça. Boum! Circle of Friendship! On l'a pas encore faite. Mais ça pourrait être cool. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai besoin de lui pour un finishing move. Heal! Ah putain, il est trop loin, on fait chier. Uh
Ok, je vais le mettre là. Si je peux l'entourer plus ou moins, ça peut être cool. Enemy's turn, on va tous être repoussés, on parie. Ah, même pas. J'ai rien dit. Alors. Jaune à ta place. Black à ta place. Rouge à ta place. Green à ta place. Rose à ta place. By the power of X-Ray. Pépépépépépéou. Faites que ça le tue. Voilà, ça l'a tué, parfait. On est les meilleurs, chers amis. Maintenant, vous devrez faire face à ma vraie forme. Alors comme ça, c'est vrai, le diable a plusieurs visages. Cette blague moisie qui nous sort jaune. Vous devrez vous occuper de ça par vous-même, Bonus Ranger. Ah non, c'est un prof de japonais. Ou alors c'est un cours de... Voilà, c'est un prof de japonais. Maintenant, je dois vous laisser pour retourner à ma classe de japonais. Je ne peux pas laisser mes étudiants attendre. Les vrais profs, ils les laissent attendre, en fait, en vrai. Merci, dragon éveillé. Bonne chance, Bonus Ranger. C'est con, j'aurais bien aimé voir son costume. Maintenant, il est temps pour notre playmec. C'est l'heure de notre playmec. Playmec, activation. Ah oui, c'est vrai, il a changé de style en plus. Ouh. Repair, Chroma Beam. Final Strike. Ouh. Boom. 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 Sa vraie forme, c'est exactement la même en fait. Boom. Boom. Juste pour voir. 10 000. Boom. Raté. Oh non. Great. J'ai pas fait un blocage parfait, c'est dommage. Hop là. Boum. 18 000, il peut faire jusqu'à... Et boum. Ça, c'était pas classe, chers amis. Par contre, on a un pied dans la flotte, hein. Mais c'est pas grave. Cool. Acrylic paint, c'est cool. Ouh. Ouh, ça fait du bien par où ça passe. Bon, un peu moins de fans, mais écoutez. Toujours ça de prix, hein. J'adorais les bonus rangers jusqu'au moment où ce sont les gentils qui ont gagné à la fin. D'accord. Ah la vache. La deuxième saison de Bonus Ranger est géniale, mais ils ont des problèmes avec avec les avocats de Super Ranger. Donc l'autre truc. Dimanche est pratiquement terminé, mais je suis heureux, j'ai pu voir Bonus Ranger. Bah, écoute, merci. Alerte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Faut que j'en choisisse une autre. Alors, Indie Marketing Gig, d'accord. Max Communication, oula, World Renown. Ouh, mais ça coûte cher ça. Ça coûte cher, mais ça me semble pas mal, on va prendre ça. Pour 3 épisodes. On va prendre ça. Et on va prendre...
ça. Et. Et. Plus de fans. On fait ça pour les fans, nos chers amis. Alors ici nous avons un message de Jupiter. Ah bon ? Hey les amis, c'est Takeda de la Cyberpolice. Shinya Takeda, d'accord. Je vous écris pour vous féliciter, vous, les Mighty Morphin Playroom. Vous avez fait un bon boulot et j'espère vraiment que vous pourrez enregistrer quelque chose, qu'on pourra enregistrer quelque chose ensemble dans quelques temps. Les Bonus Rangers sont géniaux. Oh, et j'ai failli oublier Tomoko. Tomoko vous envoie un câlin. L'armure de Vénus que vous lui avez fabriquée lui va super bien. Mais on l'a malheureusement fabriquée trop tard pour la saison finale. Entendre ça de votre part est super inspirant. Bah voilà ce que j'ai envoyé. Je suis heureux de l'entendre. On a besoin de plus de shows géniaux comme le vôtre. Je parlerai de vous dans tout l'univers de l'industrie Sentai. Prenez soin de vous. Plus 60 fans. Ça c'est cool. Du coup, peut-être qu'avec 60 fans de plus. Non, 91 points, c'est pas assez. Non, mais on est plutôt bon là. Je reconnais qu'on est plutôt bon. Hop, voilà. Alors, le leader. Ah non, c'est pas du lead celle-là. D'accord. Ah non, je croyais. Au niveau du shop. Mais pas du shop, justement, du craft. C'est cool, je peux la crafter ce truc-là. Alors, est-ce qu'ici on peut crafter un truc? Rien d'intéressant encore. Bon, on va attendre. On va. Hop. Bon, comme ça a été clair. Hop. D'accord, ouais, bon, bah cool. Bon, bah tout ça c'est assez cool, chers amis. Oui, tout ça c'est bien, c'est très très bien. Studio, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à activer? Non, apparemment non. Et au niveau du mecha? On peut changer de tête ou pas? Apparemment non. Non plus. Oh, c'est dommage, ça m'aurait intéressé de faire celle-là. Ou au moins la nouvelle tête. The Titan. Enfin bon. Bon, et bien écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Dans les équipements, on peut pas changer du tout de personnage ni rien. Bon, bah c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à pouce-vériser la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis et je vous en remercie. Si vous le souhaitez, rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne, vous verrez le petit symbole Steam en fait dans la bannière. Je peux vous parler de mon partenariat donc avec Gamesplan si vous voulez. Après je ne veux pas vous donner l'impression que je mets en avant le partenaire. C'est juste que moi c'est quelque chose qui me fait un peu plaisir quand même, donc je risque d'en parler un petit peu. C'est quand même pas rien, c'est mon premier partenariat, tout ça, bon voilà. Écoutez les amis, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour de nouveaux épisodes avec les Bonus Rangers. Salut les gens.